Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la pindouille pour Dungeon of Pollution Miniature Painting. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un produit que j'utilise actuellement et que j'adore pour faire de la rouille, de l'oxyde de fer. Je trouve le rendu vraiment génial. J'ai fait sur plusieurs personnages. Regardez sur la pelle, ça rend vraiment très très bien. C'est texturé, les couleurs correspondent bien à l'idée que je me fais d'une rouille bien crado. Vous voyez, sur ces petits zombies. Je reviens sur Lord of Plague en cours de peinture. Je vous montre ça tout de suite après le générique. Allez, on va pas garder le mystère plus longtemps. C'est un produit qui existe déjà depuis un petit moment, je pense, mais que moi, je viens de découvrir. Voilà, c'est Rust Texture de chez Green Stuff World. J'ai ces trois nuances. Hein. Ça se présente un petit peu comme une pâte. C'est assez épais. Et je vais vous montrer tout de suite comment je l'applique. La chaîne n'est pas sponsorisée par Green Stuff World, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce produit que je trouve excellent et plutôt facile à appliquer. J'ai commencé ce petit Magotkin of Norgul. Je vais vous montrer ça sur ses armes hein, et puis sur l'espèce de lame qui surgit de son casque. Dans un premier temps, la figurine, je l'ai sous-couchée en noir. Et puis j'ai fait un petit passage de Mondfang Brong pour obtenir cet effet texturé. Je vais simplement prendre de la mousse de blister. Avec une pince à épiler, je la prends comme ça. Hein. Et puis je vais venir me servir dans le pot. Alors je vais commencer par le médium oxyde. Je me cale ma mousse comme il faut. Et puis j'en prends un petit peu, comme ça. Et je vais venir déjà tapoter un petit peu dans ma palette pour enlever un petit peu le surplus. Voilà, vous voyez, pour que ça fasse bien piqueter comme ça. Vous voyez, ça fait tout de suite du relief hein, grâce à la mousse. Et puis je vais venir l'appliquer, alors par exemple sur l'épée. J'applique doucement, je vais en rechercher. Et déjà ça crée une texture rouillée, hein, une chouette couleur. Je vais faire ça donc des deux côtés. Je vais faire également la lame qui sort de son casque. Les deux côtés. Je vais enlever un petit peu le surplus. Là, j'ai débordé un peu là sur mon casque. Ça reste un peu coloré, mais c'est pas grave. Après, avec la peinture, ça disparaîtra. Je veux un truc bien texturé, bien crado. J'ai un deuxième petit passage, la même couleur de base. Après ce passage, on va attendre que ça sèche un peu. Et on va venir appliquer une deuxième teinte. Je crois qu'on est pas mal. Et j'attends que ça sèche un peu. Et on continue. Alors j'ai un petit peu laissé sécher, pas longtemps, hein, quelques minutes. C'est encore un petit peu humide, hein, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave. Je vais appliquer cette deuxième teinte en Light Oxide Rust. Pour nous faire nuancer un petit peu notre rouille. Je prends un petit bout de ma mousse de blister que je mets au bout de ma petite pince à épiler. Je tamponne déjà un petit peu comme ça. Et puis on va venir nuancer notre rouille un petit peu aléatoirement. Tout vers le haut, hein, la couleur plus lumineuse comme ça. Là tout de suite ça commence à péter. Et pour tout adepte de Nurgle, hein, ou de la peinture de zombies, de morts vivants, franchement vous allez vous éclater avec ça. Moi j'adore. C'est pas plus compliqué que ça. C'est même très très simple. Après, vous pouvez revenir avec de la peinture normale, hein, une fois que c'est sec, pour faire du lining ou apporter plus de lumière à certains endroits. Hein. Et déjà, juste ça, ça fait le taf. Hein. Pour moi, c'est nickel. J'adore ces produits. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Pour rappel, les trois petites teintes, avec une plus foncée. Hein, vous pouvez se faire une couche de base très sombre avec ça. Donc, c'est Rust Texture de chez Green Stuff World et Dungeon of Perdition Valide. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo, un tout petit tuto, mais qui j'espère vous plaira. Moi, je peux plus me passer de ces produits pour ma rouille, comme je peins beaucoup de Nurgle et en ce moment beaucoup de zombies. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut, à commenter si vous avez des questions, et bien sûr, abonnez-vous. Et on vous dit à bientôt sur Dungeon of Perdition Miniature Painting.